les petits potes, c'est Rookie. Aujourd'hui, vidéo sur la Bruenne. La Bruenne qui, franchement, je pense, est sous-estimée sur Warzone. Alors oui, elle fait pas partie des méta, mais elle reste une arme très correcte et très viable. Et ça rappelle un peu les vibes de Warzone 1. Donc voici la classe setup que j'ai utilisée. Ce qui fait défaut aux mitrailleuses en général, c'est leur vitesse de balle. Et donc du coup, c'est pourquoi j'ai mis tout d'abord le silencieux VT7 Spiritfire pour avoir un gain de portée et de vitesse des balles. J'aurais pu mettre le silencieux Sonic, mais on perd en recul, en contrôle de recul, c'est un peu embêtant je trouve, parce qu'elle en a un peu la Bruenne. Donc j'ai voulu opter plutôt pour ce silencieux, ainsi que le canon Horizon V2 XRK 23 pouces, pour tout ce qui est aussi contrôle du recul et aussi gain de vitesse de balle. Contrôle du recul qu'on améliore aussi avec la poignée lourde de soutien Bruenne. Et enfin, chargeur 60 cartouches parce que ça améliore énormément la mobilité de l'arme, ce qui fait qu'elle est vraiment sympathique à jouer en solo ou en duo. Trio quads, je sais pas, je l'ai pas essayé sincèrement, mais il va falloir recharger souvent parce que la cadence de tir est assez élevée et les dégâts sont pas non plus énormes. En viseur, vous utilisez ce que vous voulez, moi j'utilise souvent la lunette Jackson Vert qui a zéro recul visuel. Voilà. Profitez bien du gameplay, solo duo, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Depuis